tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Oh, you can search far and wide. You can drink the whole town dry. But you never find a beer so brown. But you never find a beer so brown. It's the one we drink and not so proud. It's the one we drink in our town. You can kick your fancy ales. You can drink them by the flagon. But the only proof of brave and true. Pippin! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblog.net vidéo unboxing dans laquelle, bah oui, bah comme à l'accoutumée, je vais ouvrir un paquet devant vous. Voilà, devant vous, je vais ouvrir un paquet fraîchement reçu. Il n'y a pas très très longtemps, Remarquez, j'aurais pas pu attendre super longtemps pour l'ouvrir. Vous me direz, tout excité que je suis à l'idée de recevoir cette pièce. Donc pièce, vous savez déjà ce que c'est, puisqu'il y a eu une intro juste avant cette vidéo. Mais comme d'habitude, je vais m'efforcer de faire comme si je ne savais pas que vous saviez. Donc je vais vous prendre un petit peu pour des teubés. Et je vais dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Eh bien, on va le savoir dans pas très très longtemps. Puisque je vais, bah, je pense, l'ouvrir dès maintenant. Mais là, je suis en train de réfléchir à comment je vais m'y prendre. Parce que contrairement à d'habitude, il n'y a pas que du scotch. Il y a aussi une sorte de plastique par-dessus le paquet. Je sais pas, pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Pour protéger des infiltrations. Je ne saurais que dire. Bon, allez, arrêtons de faire le con. On va commencer par l'ouvrir. De ce côté. Ah, ouh, il y a de la résistance, là. Oh, oh, oh. Carton adamantium. Bon, ça, c'est très résistant. C'est un carton très, très rare. Oh, tentez de l'ouvrir. De ce côté, dans une pose absolument improbable. Mon seul, moi et mon couteau avons le secret. Voilà, c'est ouvert ma foi. Ouais, allez. C'est chelou ce carton. On plie, il se casse. Qu'est-ce que c'est que ce carton? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce carton? Je le plie, il se casse le truc. Ouais, voilà, voilà. Donc là, fais le plier. Voilà, cassé. Et cassé aussi. Bon, c'est pas grave, c'est chelou, c'est tout ce que je retiens, donc ça on pose. Ah bah c'est super, vous voyez, c'est génial. Donc alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Erik Larsen, The Savage Dragon Sculpture. Donc, The Savage Dragon par Erik Larsen Sculpture, donc la photo de la fameuse sculpture. Donc une statuette, vous l'avez deviné. Limited Edition and Painted, donc édition limitée, peinte à la main, comme sur quasiment tout ce qui se fait en matière de résine, de toute façon. Donc échelle 1/8, 9 pouces figure, donc 9 pouces, 1 pouce égale 2,54 cm, donc je vous laisse à vos calculettes faire le calcul. Vidéo interactive, vous avez vu ça, c'est génial. Statuette, 1 point, on passe à la ligne, sculptée par Claiborne Moore, donc Claiborne Moore, le nom du sculpteur. Je crois même que c'est le nom de la boîte, hein, Claiborne Moore Sculpture, on va voir ça tout à l'heure. Image Comics, donc bon bah le logo de la boîte qui possède les droits, ma foi, de la BD. Ensuite ici, This is not a toy. Voilà, à préciser, ce n'est pas un jouet, donc n'essayez pas de bouger les bras, sinon au bout d'un moment vous allez la péter. Et faudra pas venir pleurer après. Pour For Display, Purposes Only, pour exposition seulement. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qui est marqué juste au-dessus. Ce n'est pas un jouet, c'est juste à exposer et à regarder, à s'asseoir devant avec ses potes et à fumer une clope et dire « T'as vu, c'est super génial !» Et juste en dessous, donc, pour 14 ans et plus. Voilà, donc si vous avez des enfants de moins de 14 ans, bah, évitez qu'ils s'approchent de trop près de la statuette. Sinon, vous avez autorisation de leur en coller une bonne petite dans la gueule, histoire de leur faire comprendre qu'il ne faut pas déconner avec les joujoux de papa. Et donc, on change de colonne, « Do not eat ». Mais c'est quoi ça? Ne pas manger? Mais c'est la première fois de ma vie que je vois ça sur une boîte. Non mais sérieux, autant en temps normal les mecs vous prennent entre guillemets pour des gogoles comme la case qui était là. Donc comme dans la vidéo, je pense que je la posterai juste avant.
du Savage Dragon, où ils vous mettaient entre guillemets, ils vous indiquaient sans vous le dire, parce que bon, ils vont dire bon, on va pas insulter l'intelligence des mecs, on va juste leur indiquer, genre à la Inception, on va glisser dans leur esprit une idée. Et cette idée, c'est qu'il faut pas manger la figurine, donc faut pas faire en sorte que ces gamins s'approchent de trop près de la figurine et qu'ils croient que c'est à manger, ils croient que c'est un bon mec. Et ils le mangent, parce que sinon il va s'étouffer, il va mourir et puis ils vont nous coller un procès au cul. Et ça, on veut pas. Et donc là, les mecs, ils commencent exactement par ça. Ce n'est pas un jouet. Ok, ce n'est pas un jouet. Bon, on rejoint l'idée, ce n'est pas un jouet, c'est uniquement pour être exposé. Ok, ce n'est pas un jouet, donc on rejoint l'idée d'en haut. Ensuite, bon, c'est pour les 14 ans, hein, pour les 14 ans et pour les adultes, hein. Ok, bon, on passe à l'autre colonne. Faut pas manger, faut pas manger la statuette, hein. Attention, putain, mais c'est pas vrai. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Do not sit on, ne pas s'asseoir dessus. Oui, parce que sinon ça va vous faire mal au cul. Voilà, c'est avoir la colère du Savage Dragon qui va vous rentrer dans le trou du cul et ça va faire très très mal. Ensuite, do not drop from tall building. C'est pas possible, sérieux. Mais ils sont pas sérieux, les mecs. Ne pas jeter en haut de grands buildings. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un pavillon, vous pouvez vous amuser, acheter la statuette où vous voulez. Par contre, si vous êtes sur le toit d'un building, genre la tour Montparnasse, faut pas s'amuser à balancer ça en haut, sinon ça va faire très très mal en bas, et puis en plus ça risque de la casser. Bon, en plus, il n'y a aucun intérêt à le faire. Avant-dernière phrase, j'ai mal à la mâchoire, c'est pas grave. Put it on your favorite shelf or table. D'accord, posez-la sur votre table ou votre étagère favorite. Voilà, donc si vous avez... S'il y a une table que vous préférez, genre la table en plastique du jardin, vous pouvez la poser dessus, juste à côté du barbecue, ça va faire super classe. Et dernière, je pense que ça va être la meilleure. Oh là là, impress your friends, confound your enemies. Bon, là ça va, ça reste soft, on termine par du soft. Impressionnez vos amis, si vous en avez, parce que bon, si vous avez une statuette d'un personnage de BD, c'est-à-dire que vous êtes un geek et que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'amis, mais là, il part du principe que vous en avez. Donc, impressionnez vos amis et confondez, ouais, on va dire ça comme ça, et confondez vos ennemis. Voilà, si vous avez des mecs qui vous aiment pas, vous posez la statuette sur la table du barbecue du jardin, et ça va leur faire peur, ils vont passer, ils vont voir au-dessus de la haie, ils vont voir ça, ils vont faire oh putain. Là, le mec représente, le mec respect, je vais pas me frotter à lui, je vais plus me frotter à lui. J'en ai peur maintenant, hein, parce qu'il a une statue Savage Dragon qui peut jeter en haut de son pavillon, qui peut jeter en haut de son pavillon et qui peut manger, et ça va être très très dangereux. Bon bref, on va retirer ça du carton et je reviens tout de suite. Ouh, c'est tout léger tout ça. C'est tout léger. À se demander s'il y a la sculpture intérieure. C'est super léger, regarde-moi ça. Ouais, je fais pas mes haltères, non, du tout. En fait, c'est super léger. Bon, alors, la phase 2. Donc, cette face-là qui est collector, vous l'avez déjà vue. Enfin, sérieux, je vais la découper, je vais l'encadrer celle-là. Sincèrement, c'est pas possible de voir autant de conneries sur une boîte de statuettes. Donc, bref, allez, zou. On essaye d'accélérer un petit peu, parce qu'après on va me reprocher de faire des vidéos trop longues. bon, allez, on y va. Donc, Eric Larsen, Savage Dragon le logo, on continue, limited edition, this is not a toy, uniquement pour display. Savage Dragon and copyright Eric Larsen, tout droit réservé, et une photo de la sculpture. Donc, on enchaîne par l'autre côté, bah, c'est exactement ce qu'il y avait derrière, donc en fait, c'était pas le dos. C'est même devant, il y a le même ramassis de conneries sur le devant. M'étonne pas que ça ne vaut rien du tout, j'en reparlerai après du prix, mais m'étonne pas que ça cote absolument pas. Et en dessous, tout blanc, pas de numéro de série, pas de nombre de quantité, et même pas le numéro de série de la pièce, donc ce sera peut-être à l'intérieur. Et sur le dessus, bon là c'est la partie la plus funky, un dessin de Eric Larsen, Savage Dragon, vraiment super funky. Matrix 2 dédicace, sculpture sculptée par Clayburn Moore, limited edition, unpainted, blablabla. Les mêmes informations que sur tous les autres côtés. Donc ça s'ouvre par là.
Donc on va tenter de l'ouvrir. Donc la boîte est usée, ce qui est tout à fait normal parce que cette pièce date. Ouais, cette pièce date. Soit d'il y a à peu près 10 ans, voire même de plus de 10 ans. Ouais, 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 c'est pas une pièce, ma foi, toute jeune. Et malgré ça, putain, c'est super léger. Et malgré ça, eh ben, ça ne vaut rien. Voilà, ça ne vaut rien au même titre que le buste Variant Edition dont j'ai fait une vidéo unboxing. Donc je ne sais pas si je la posterai avant ou pas, donc je vous le dis d'avance, j'ai fait une vidéo unboxing du buste qui ne vaut strictement rien, et au même titre que la figurine par Todd McFarlane qui a plus de 10 ans et qui ne vaut strictement rien. Et donc A plus B plus C est égal non pas à la superficie du triangle carré, mais au fait que Savage Dragon, je l'ai dit je crois à chaque fois dans mes vidéos, bah là je le redis, Savage Dragon n'est pas un personnage qui dote. Et j'en veux. Voilà, et j'en veux pour preuve bah, la superbe édition, j'en reparle encore, qu'a fait Delcourt pour bah, la ressortie. Ils ont retenté de. Enfin ils ont tenté de relancer Savage Dragon. Ils ont fait un travail mais absolument mais incroyable et remarquable sur Savage Dragon, parce que tout le monde le sait, Eric Larsen, malheureusement le pauvre, a connu la joie d'un incendie. Donc c'est déjà ouvert, donc c'est pas une vidéo unboxed, mais c'est déjà ouvert. A connu donc, oui, donc je disais, il y a quelques années maintenant, malheureusement le pauvre, sa maison a brûlé. Et toutes les planches de Savage Dragon qu'il l'entreposait chez lui en toutes cramées. En fait, donc des premiers numéros de Savage Dragon ne restent plus les, on va dire, fichiers originaux, ne restent plus les planches originaux, originales, ne restent donc que en fait, bah, ce qui a été publié dans les BD. Et Delcourt a fait un travail absolument remarquable. Ils ont tout ressorti, ils ont tout scanné, ils ont tout retravaillé, machin et tout. Et voilà, bah, malheureusement, c'est Savage Dragon. Et Savage Dragon, ça n'intéresse pas le public, ça n'attire pas. Et c'est vraiment dommage, voilà, c'est vraiment dommage. Donc il y a un deuxième volume qui a été lancé vraiment à la surprise générale, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un deuxième volume qui sorte, et bah ils en ont sorti un, je sais même pas s'il est sorti ou s'il va sortir. Mais bon, voilà, dans la petite personnelle, franchement, je pense pas que ça dépassera le deuxième tome. Donc voilà, bref, ok, donc on a tout sorti, donc ça c'est le socle. Ah bah c'est super, il y a un numéro de série, bah tiens, on va déjà commencer par le socle. Donc, bah, 2000 pièces dans le monde. Voilà, il y en a 2000. Moi, j'ai la pièce, donc 1582 avec le joli sticker Made in China. Ça sent bon, les années 90, hein, ma foi. Oh la vache, il y en a partout. On a beau souffler, il y en a encore. Bon, bref, c'est pas grave. Ok, donc le socle. Alors, comment il se présente, le socle, ma foi? Bah, la même que la figurine. Un seul, avec des briques, des débris, un bout de muret avec des impacts de balles qui sont, ma foi, très très bien retranscrits. On va dire ça comme ça. Nous avons donc des douilles sur le sol, on a un couteau et on a une lame cassée ensanglantée. Ma foi, on pourrait très bien poser une figurine de Robocop par-dessus, ça passerait très très bien. Par contre, il n'y a pas de... Ouais, ok, d'accord. Donc ça, c'est pas de la résine, c'est de la porcelaine. Première information. Puis il n'y a pas de... Comment ça s'appelle De patin. Il n'y a pas de patin. Donc je pense que je vais en acheter parce que... ça se balade et ça va niquer le socle et ça va niquer la table. Ok, donc on est là. Ah bah tiens, bah voilà, regardez. C'est génial. J'avais complètement oublié que j'avais posé là, dis donc. Regardez, c'est exactement la même chose. McFarlane est vraiment parti sur la même idée que la statuette. Hasard ou coïncidence, pour eux, je vais dire les deux, voilà, faut pas dire que c'était volontaire. Et là voilà, oui, c'est de la porcelaine, ce n'est pas de la résine, était tout aussi poussiéreux que le socle, ma foi. Donc, et voilà, le Savage Dragon, voilà donc notre dragon sauvage par Eric Larsen. Bon, bah c'est pas tout jeune, hein, c'est pas tout jeune, donc on rigole pas, on se moque pas. En plus, là, de juste avoir l'écran, on dirait qu'il a atteint le strabisme, le pauvre. Ouais, légèrement. Légèrement, t'as le strabisme, le pauvre. La finition, peinture à la main, hein, faut pas lui en vouloir. Donc, vert, voilà, bon, le vert est plutôt bien foutu. Là, on a des traces de sang, ma foi, c'est juste en fait un coup de pinceau rouge qui a été passé sur la peinture, donc ça n'a même pas été sculpté. La plaie n'a même pas été sculptée, en fait. Sur
On se rapprochera, on sera mieux. N'a même pas été sculpté sur la sculpture. C'est juste de la peinture, tout simplement. Donc là, on a les poêles, pareil. C'est juste des petits coups de pinceau noir sur le torse. La couleur de la chemise, franchement, aurait pu mieux faire. C'est franchement pas terrible. C'est juste un vulgaire bleu ciel avec des petites nuances de blanc. Et encore, je pourrais même pas vous dire si c'est de la poussière. Non, c'est pas de la poussière. Ou si c'est de l'usure. Bon, je pense pas que ce soit de l'usure, parce que j'en ai pas sur la peau du Savage Dragon. Donc voilà, juste bleu ciel, blanc, la ceinture noire, là on a donc la boucle argentée, on voit la peinture argentée qui déborde un peu sur la chemise et sur la ceinture, pareil, c'est pas terrible. Donc là on a le flingue qui est exactement de la même couleur que le holster, sauf qu'une espèce de petite patine marron. Ouais, marron dégueulasse qui a été faite dessus, donc ça pareil, c'est pas terrible. Sinon la peinture ça va, les muscles sont vraiment, ressortent vraiment bien, je pense que honnêtement, regardez au côté, ça ressort vraiment bien. La tête est bien faite, moi je trouve que la tête est bien faite malgré la peinture, c'est vraiment la peinture qui nique tout, parce que c'est vraiment fade. La peinture est vraiment fade, et là le pire c'est le pantalon, on sait pas si c'est un jean ou si c'est un pantalon d'officier de police. Regardez la couleur, regardez, c'est bleu, voilà, c'est une sorte de bleu laqué. Dégueulasse, on voit carrément la lumière de l'écran qui se reflète dedans, ouais, pour vous dire à quel point ça reflète tout. Et on a les chaussures, achetées à Delaven, ma foi, regardez-moi ces chaussures, des chaussures de ville. Ouais, donc il est en uniforme de police en fait. Hein. Ah, ok, d'accord, ouais, il est en uniforme de police. Bon, pas terrible. Ok, bon bah écoutez, pourquoi pas, en même temps ça date, hein. Ouais, comme je vous disais, ça date d'il y a plus de 10 ans. Donc ça se pose, je crois, donc ici, le petit bout métallique dans le socle. Ok, tout rentre dedans. Et le pied de l'autre côté. Et voilà à quoi ça ressemble. Je vous embarque avec moi. Sorry, pal, but I'm in a hurry. Going down. Et voilà. Je vais pas tenter de. Enfin, je vais tenter de pas gueuler. Pour pas vous niquer les oreilles, donc voilà à quoi ça ressemble une fois mis sur le socle. Donc Savage Dragon dans une position ouais d'attaque complètement, puisqu'il charge en fait, là il charge ennemi. Donc ça c'est pas le côté où il faut mettre la statuette, puisqu'on ne voit rien du tout. Regardez le travail sur la sculpture, vraiment bien fait, hein. Regardez, on voit vraiment les muscles ressortir. Ça apporte même un petit côté reptilien à la statuette. Non, c'est vraiment bien foutu. Le socle pareil, vraiment bien détaillé. La peinture sur le socle est même limite mieux faite que la peinture sur, regardez, l'ensemble de la statuette. En même temps, vous me direz, c'est une pièce qui doit dater, je crois, fin des années 90. Ouais, des 98, voilà, c'est ça. Elle l'a de 98, cette pièce. Donc 98-2008, ça nous fait 10 ans, bah, ça fait 14 ans. Voilà, cette pièce a 14 ans maintenant, bah, ce qui explique l'aspect général au niveau de la peinture de la statuette, hein. Ils n'avaient pas les mêmes techniques de sculpture qu'aujourd'hui. Donc c'est old school, ça fait même limite vintage. Ah, ça fait vraiment années 90. Ça apporte son charme, vous me direz, voilà, ça apporte son charme. Donc je pense, voilà, la statuette, en fait, faut la mettre dans ce sens-là, avec le petit bout de mur qui dépasse, tac, voilà. Limite de profil. Donc avec la figurine de Todd McFarlane juste à côté. Pour donner une petite idée du truc, regardez, donc la figurine, regardez le travail sur la peinture. Figurine qui a été faite en 2002. Regardez la différence. Hein. Pourtant, il y en a un, c'est de la porcelaine, et l'autre, c'est du plastique. Hein. Vous voyez un petit peu les nuances qu'il y a là-dessus et qu'il n'y a pas là-dessus. Mais bon. Non, sympa. Ça va faire super classe. Parce que je m'imagine plus tard avoir un display réservé uniquement aux personnages ayant eu de folles aventures avec Hellboy. Et cette résine de Savage Dragon servira magnifiquement bien à représenter, ma foi, le Savage Dragon. Et puis de toute façon, je n'avais pas trop le choix, parce que c'est la seule résine qui existe du Savage Dragon. Donc oui, donc tout à l'heure, je vais terminer là-dessus. Je vous disais, ouais, donc voilà, donc le Savage Dragon, malheureusement, ne code pas, n'est pas bankable. Et donc cette statuette, sur eBay, bien sûr, vous pouvez la voir. Moi, je l'ai eu pour 50 euros. Tout simplement, je l'ai eu pour 50 euros. Je tombais sur un vendeur qui la vendait à 99$. Ce qui fait à peu près entre 60 et 70 euros. Et puis j'y suis allé au culot, je lui ai fait, bon bah écoute copain, ce qu'il mettait, il offrait la possibilité à l'acheteur de laisser de faire une offre. Voilà, tout simplement, de faire une offre. Parce qu'il voulait s'en débarrasser, j'y suis allé au culot, je lui ai fait, vas-y, je t'en propose $50.
De ton morceau de porcelaine là, il m'a dit ok, puis avec les frais de port, bah, j'en suis sorti pour 50€. Donc 50€, ça vaut le coup, hein, 98, qui sait, peut-être qu'un jour, Savage Dragon connaîtra un boom au niveau de la BD, et puis bah, du coup les produits dérivés exploseront de leur côté, mais en attendant c'est pas le cas, donc 50€ pour une pièce qui ma foi quand même est assez imposante, hein, mine de rien, ça vaut le coup. Donc aux fans, avis aux fans, vous pouvez y aller, voilà à quoi ça ressemble, voilà, fan de Savage Dragon, si vous savez... Si vous hésitiez à vous l'acheter, ben voilà à quoi ça ressemble. Bon, ben voilà, bah c'était tout pour moi pour cette vidéo unboxing. Donc, je vous laisse sur cette magnifique image. Et vous dis donc à la prochaine. Ciao, ciao. Faites pas les fous. Prenez soin de vous. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Arrête de faire le con. Oh oh.